Bonjour, nous sommes à la 10e édition du festival Tribal Élec d'Andilly-les-Marais et j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Mario. Mario qui est le gérant du stand. Bonsoir, bonsoir Mario, bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Bien? Jusque là ça va. Ouais, tu passes une bonne journée? Ça va, super. Un bon festival? Impeccable. Cool. Mario, tu es le gérant du stand Ethnicuir. Tout à fait. Alors, c'est quoi Ethnicuir? Tu peux nous en parler un peu? Bah oui, on est créateur d'accessoires et de bijoux en cuir. On fait des bracelets, des bourses, des portefeuilles, un petit peu de maroquinerie, des porte-gobelets spéciales festival. Et qui font fureur d'ailleurs, les porte-gobelets. Qui marchent pas mal, qui en effet. Qui font fureur, franchement. Ils font super fureur. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler le tuir comme matière de création? Bah, là-bas, je suis un grand fan de couteaux. Ouais. Et les études couteaux qu'on propose dans le commerce ne me plaisaient pas, donc j'ai commencé à vouloir me faire mes études moi-même. Ouais. Donc je suis allé voir des tutos sur YouTube et j'ai commencé à bosser le cuir comme ça. Autodidacte alors? Tout à fait. Complètement? Absolument. C'est ta création? Non. Dommage. Mais je suis sûr que t'en as. Non, je ne fais pas de casquette, c'est encore un peu compliqué pour moi. Ah, ça va venir. Faut ça va venir, oui. Bah oui, ça va venir. Est-ce qu'il y a, alors on en a parlé du porte-gobelet qui est en train de faire fureur sur ce festival, est-ce qu'il y a un autre produit phare qui cartonne beaucoup? On fait beaucoup de, les bracelets hommes marchent vachement bien. Ouais, les bracelets ça cartonne beaucoup. Les bracelets, on fait des boucles d'oreilles aussi, enfin. Et alors Mario, d'où tu viens? Ben moi je suis d'Andilly, moi je suis un gars du village. T'es un gars du village? Ouais. T'es un vrai gars du village? Ouais. Et c'est la première fois que tu viens au festival Tribal Élec? Ouais. Comment tu trouves le festival? Excellent. Ouais. Ouais. Ça va, bonne ambiance, super sympa, ça se passe super bien. T'as eu des bons retours par rapport aux autres années précédentes? Ouais. Ouais, c'est pour ça que je suis là. On m'a dit que c'était un truc à faire et que c'était vraiment sympa, donc c'est pour ça que je suis là. Ouais. Alors on trouve des produits sur ton stand, des produits, des œuvres, j'ai envie de dire des œuvres en cuir, comme tu l'as dit, pour femmes, pour hommes, pour enfants également. Aussi. Ça va vraiment de tous les âges, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, on fait des petites barrettes pour les enfants, on fait des tout petits bracelets pour les gamins. On essaie de faire plaisir à tout le monde, quoi. Mais t'as bien raison, et c'est ce qui fait plaisir. Et dis-moi, Mario, si on veut s'intéresser à ton travail, si on veut retrouver ton travail, si on veut te contacter, si on veut voir ce que tu fais, ce que tu vends, ce que tu proposes aux gens, où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Eh ben, on a une petite page Facebook. Ouais. Ethnicuir, tout simplement. Ethnicuir, tout voilà. Simplement. Alors, Ethnicuir, parce qu'en plus, c'est E-T-H-I-N-K. C'est ça. Apostrophe U-I-R. Ethnicuir. Donc, allez voir sur Facebook, allez voir... Ethnicuir, ce que propose Mario, de vrais produits en cuir, voilà. De vrais produits qualitatifs qui se font de plus en plus rares. C'est vrai. Là, une question, tiens, une petite question, parce que tu ne trouvais pas d'étuis à couteau, comme tu me disais. Est-ce que tu fais des étuis à couteau? Ah ben absolument, je les fais sur mesure. Je travaille avec des couteliers, avec des forgerons qui m'envoient leurs couteaux. Je fais les patrons, je leur fais leur étui, je leur renvoie l'ensemble et en général, ils sont assez contents. Donc il y en a pour tout le monde alors, c'est vraiment ça. Super. Mario, Ethnicuir, qu'on peut retrouver au festival Tribal Élec encore demain, toute la journée entière. Absolument. Et puis bah, sinon, Facebook, Ethnicuir. Et puis, bah, t'as une petite boutique Ah non. Pas encore? Non, pas encore. Mais tu fais... On démarre juste. Hein, c'est notre première... ça fait un an révolu qu'on a commencé. Quoi. La première année, c'est toujours la meilleure année. J'espère. Mais on te le souhaite également. Merci Mario d'avoir répondu Merci à la question. Merci beaucoup. Je te souhaite un excellent festival. À je vais aller jeter un œil là sur ce que tu fais là, parce que moi j'aime bien les bracelets de force, tu vois, et là j'en ai pas aujourd'hui. Donc je vais aller voir ce que tu fais, et puis de toute façon bah, on se retrouve forcément demain. Avec plaisir. Merci à toi Mario, c'était un plaisir. Au poil.